Je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast quotidien et qui aime le faux café. Avec au programme trois rubriques, feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie et enfin feu vert, mon coup de foudre. En fin d'émission, je vous révélerai mon ticket pour décrocher le pactole. Sur la grille de départ du prix des grandes écuries à Chantilly, 16 compétiteurs de 4 points et plus vont se défier sur la PSF à la distance de 1600 mètres. Feu rouge de Fred avec le 3 Shining Ocean. Tenant du titre, il tire désormais plus son épingle du jeu dans les courses à condition que dans les handicaps. Avec le 16 à la corde, sa tâche s'annonce encore très compliquée. Feu orange ralenti classe Deep Hope. Nous n'allons pas le condamner sur sa dernière sortie sur une piste trop pénible pour ses aptitudes. C'est un spécialiste du sable qui affiche 100% de réussite dans les trois sur le parcours qui nous intéresse. Alors c'est vrai, fois 44 de valeur, sa marge de manœuvre est réduite, mais je compte sur son aptitude, même sur plus long et son petit numéro de corde qui va permettre à son jockey de le monter dans le dos des leaders, notamment Love is Gold, pour faire le moins de chemin possible et garder une petite poire pour la soif. Feu vert, j'accélère avec le 16 Star Rock. Ce sujet de classe a connu plusieurs interruptions de carrière. Lors de sa rentrée pour sa première dans un handicap, il n'a cessé de refaire du terrain pour finir. Encore tout neuf et bien placé sur l'échelle des valeurs, il a beaucoup d'arguments à faire valoir pour remporter son premier quintet. Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quintet plus. Champ réduit, flexi 25% avec le 16, un X, le 13, l'As et un X. Associé au 4, au 7, au 8, au 10 et au 15 pour la somme de 10 euros. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu au quintet, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note.